Alors, donc peut-être une chose qui est importante à souligner, c'est que l'emploi du temps de la formation, le contenu de la formation est peut-être divisé quasiment à durée égale entre des cours théoriques, dont je parlais tout à l'heure avec la dimension, disons, plus technique et puis la dimension plus culturelle, et des études. Qui nous sont confiés par des commanditaires, donc qui ne sont pas des projets scolaires, mais qui sont de véritables études avec une intention préopérationnelle au moins, et qui sont donc l'occasion de confronter tout ce qu'on apprend à POCA avec des conditions du réel, avec toute sa complexité, ses contradictions et aussi sa richesse et également ça nous donne la capacité de ressentir, d'éprouver la force que peut avoir l'architecture dans ces situations-là, cette capacité à finalement à faire récit, à proposer des alternatives. À le faire par une combinaison de réflexions très, très bien articulées et très bien écrites, mais également de documents graphiques très bien articulés et très bien faits, qui donc portent une capacité de conviction assez remarquable. Et on est toujours, les étudiants, mais même moi, même après 10 ans, toujours très heureusement surpris par la façon dont nos commanditaires reçoivent ces études, qui sont vraiment des documents extrêmement, extrêmement forts, quoi. Et qui sont d'ailleurs consultables sur le site de la formation, sur la page de la formation dans le site de l'école.